Le Bestac en public ce soir avec notamment les supporters de la tribune Seine. Ils sont tous là pour voir Sébastien Grax, notre invité ce soir. Bonsoir à l'attaquant du club troyen. Bonsoir. Bonsoir aussi à Seb Dallet. Bonsoir. Ravi de retrouver un copain sur le plateau. Oui, oui, plus qu'un copain. Oui. Et Carlos Cassis également qui est venu avec, c'est un peu le Père Noël après l'heure, Carlos, non? Ah oui, oui, non, il faut rameuter les troupes à l'occasion du derby. Donc voilà, ma direction m'a chargé de venir avec des places à gagner, bien sûr. Voilà, des places, 14 en tout. 14 places à gagner pour le derby. On vous donnera le numéro à chaque fois dans cette émission pour gagner deux fois deux places, pourquoi pas. 4 places à chaque appel. On va commencer juste après avoir salué Mathieu Mercier qui est en régie. Sandra Durupt est en vacances. Il ne veut pas me rendre mes places. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Damien. Mais c'est vrai que Sandra est partie. Mais elle nous a laissé ce petit téléphone gris qui attend vos SMS au 06 07 33 56 23. Il y en a même qui appellent déjà, on entend sonner en régie, ça n'a pas commencé hein, pour le jeu. Sébastien, on revient en premier lieu sur ce match, et plutôt ce non-match hein, du côté d'Ajaccio pour les Stacks. Qu'est-ce qui s'est passé, cette défaite 3-0 samedi? Je pense qu'on n'est pas rentré dans le match, on s'est fait marcher dessus par Ajaccio. Et puis on a pris ce but au bout de 1 minute 30, donc derrière ça a faussé un peu le match. Et puis après on a pris le deuxième à la 20e minute, et bon, le match était plié. C'est ça le problème, le match était plié trop tôt? Je pense, et puis après on n'était pas dedans. Je pense qu'on aurait pu jouer pendant 108 minutes, qu'on n'aurait pas marqué. Donc à l'arrivée, défaite méritée. 108 minutes, c'est pas mal Seb. Ouais, c'est comme le total du premier but, quoi. Ça fait 108 secondes à peu près. Non, c'est vrai que c'est quand on joue un match comme ça, c'est pas toujours facile. En plus Ajaccio, à domicile, ils étaient bien. Donc prendre un but comme ça d'entrée, soit il y a une réaction, ou soit effectivement, malheureusement, ça donne confiance à l'équipe adverse. Et puis voilà, on voit avec pas mal d'occasions quand même, malgré tout, manquer. La seule occasion du match hein, manqué. Voilà. Ah, j'y étais pas. Bon, un match à oublier, donc du coup on va vite passer sur les résultats de cette journée de Ligue 2 avec la nouvelle victoire du Mans à l'extérieur, à la défaite d'Evian, à l'extérieur également, la victoire également de Boulogne face à Sedan. Au classement, le Mans prend la première place et le fauteuil de leader, les Evianais sont deuxième, les Troyens, eux, sont dixième. Sébastien, après l'équipe, on va parler de vous. Comment ça va à l'Estac depuis votre arrivée, votre retour le 2 janvier 2011? Ouais, très content d'être revenu ici, de retrouver un club que je connais. Et puis voilà, je savais que ça allait être difficile pour revenir dans le coup parce que je suis resté longtemps sans jouer. Et puis à l'entraînement, farouchement, j'ai senti un petit coup de fourchette là sur la cuisse. Et puis c'est très imagé comme vocabulaire ce soir, c'est ouais, très beau. Ouais. Elle est en forme ce soir. Et voilà, ça m'a éloigné des terrains, bon pas très longtemps, mais je m'y attendais aussi, mais très content de retrouver un groupe pour m'entraîner. Vous aviez conscience qu'il faut être justement patient avant de retrouver la compétition à haut niveau? Oui, je pense que j'ai voulu en faire trop de suite, et voilà, mon corps n'a pas tenu par rapport à ce qui s'est passé les mois précédents, donc je m'y attendais, mais j'avais envie de donner le maximum, donc bon là ça a lâché, mais voilà, je suis confiant pour la suite. Ce qui est important, c'est que c'est pas une blessure bien grave, donc ça t'a pas éloigné, on va dire, trop longtemps des terrains, quoi. Non, ça va, juste 5-6 jours, donc après j'ai repris la course tranquillement, et puis aujourd'hui, je bois, tout va bien. Et vous serez de la partie normalement contre Reims. On va faire gagner les premières places. Carlos, vous nous appelez 03 25 72 31 95. Deux fois deux places pour les deux premiers au standard de Canal 32. C'est parti pour les quatre premières places. Allez, à propos de votre retour à Troyes, on va écouter Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen. Il revient notamment sur votre impatience, on peut dire ça, à retrouver le plus haut niveau. Ah non, on n'écoute pas encore Jean-Marc Furlan. On l'écoutera peut-être un petit peu plus tard, c'est ça? Il a raison, on l'écoutera tout à l'heure, il a raison, un peu trop impatient à retrouver la compétition comme ça? Ouais, c'est ce que je viens de dire. Donc j'ai vraiment envie de rejouer, donc de retrouver le terrain. Mais pour ça, il y a des étapes et il ne faut pas les brûler. Donc voilà, aujourd'hui, je suis conscient que mon corps a besoin de retrouver
pas mal d'entraînement pour pouvoir tenir un match entier. Bon, Jean-Marc Furlan, on va l'écouter. C'était au micro de David Mutel en fin de semaine dernière. C'est parti pour le coach troyen. Sébastien, il faut être patient avec Sébastien, parce que déjà lui, il était tellement angoissé à l'idée de réussir, de montrer que... de rendre au président, voilà, au staff, la confiance qu'on lui accorde, que ça le tétanise. J'ai dit, Seb, t'as tout ton temps, nous on est contents que tu sois là, et surtout l'athlète, il ne faut pas qu'il se tétanise à l'idée de d'aller vite, de rendre, il faut qu'il prenne le temps, parce qu'en plus ça rejaillit sur son corps. Nous on a envie de se projeter avec Seb sur... sur pas du court terme, hein, sur du moyen terme et du long terme. Ça serait bien quoi, qu'on revienne comme on était avant, parce qu'on connaît ses qualités, qu'il soit un fer de lance de l'attaque, mais pas forcément demain ou après-demain, ça va. Je pense que le public peut le comprendre, et puis nous, voilà. Et lui, il veut aller vite. Je suis sûr que c'est un garçon qui a le sentiment d'avoir perdu beaucoup de temps. Alors que ça va, là, il peut prendre son temps. Il a tout son temps pour aller chercher du plaisir et du bonheur dans quelques mois, ou voire un an ou deux, c'est pas grave ça. Voilà pour Jean-Marc Furlan, quelques mois ou un an ou deux, ça ferait peut-être beaucoup quand même. Hein. Non, mais il a raison sur ce qu'il dit, c'est vrai que j'ai envie de revenir vite. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas brûler les étapes. Une saison, c'est long, bon là il ne reste plus très longtemps, mais ça va revenir petit à petit, il faut que je sois patient. Tu voulais revenir vite plus pour jouer, pour véritablement jouer des matchs, comme on sait que tu n'as pas joué pendant quelques temps. Ou simplement aussi le fait de revenir vite jouer ici à l'Estac, au Stade de l'Aube. Parce que bon, on sait que tout footballeur qui est éloigné des terrains pendant quelques temps, c'est comme une drogue. On a besoin de retourner dans le stade avec le public. C'était quoi? C'était les deux mélangés? Ouais, c'est un peu tout ça. J'ai envie de retrouver le terrain, de remarquer des buts, de gagner des matchs. Donc j'ai envie un petit peu de tout faire à la fois. Et donc c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement. Et... ça va revenir, maintenant il faut que je sois conscient que mon corps n'est pas encore prêt pour enchaîner des matchs toutes les semaines. C'est vrai ce qu'il dit que tu étais angoissé de rendre l'appareil? Non, pas angoissé, mais c'est vrai que j'ai envie de leur donner raison sur le fait de m'avoir fait confiance. Quoi. Donc pas de regret aujourd'hui d'avoir signé? Non, pas du tout, très content. Comment ça s'est passé justement les négociations, à part Seb Dallet qui était sûrement au courant de l'affaire, mais peu de monde à l'extérieur du club était au courant justement, comment ça s'est passé? Ça faisait plus longtemps que le club cherchait à vous reprendre. On a été en contact en début de saison et puis ça n'a pas pu se faire. Donc après, il a fallu attendre le mercato là, et on a trouvé un accord avec le président et tout le président, le directeur sportif, le coach. Et puis à l'arrivée, voilà, j'ai préféré venir ici plutôt que d'aller m'enterrer à l'étranger dans des championnats un peu bizarres. Mais il y avait plusieurs choix, il y avait trois, et puis sinon c'était où les destinations plutôt après, exotiques? Après c'était plus sur la Grèce, des championnats comme ça, pas très sérieux, donc il faut faire attention parce qu'après on oublie vite. Donc voilà, je pense que c'était le meilleur choix pour moi de revenir ici. C'est forcément aussi un choix compliqué. Vous avez été l'idole ici, vous avez marqué plein de buts en deux saisons. C'est un dinosaure ici, ça. Justement, c'est un choix compliqué de revenir dans un club où on a été l'idole. Ouais, je ne sais pas si on peut dire l'idole, mais c'est vrai que ça s'était bien passé pour moi ici à l'époque où on jouait avec Seb devant. Et puis après, j'ai un peu fait l'accordéon avec les autres. Depuis que je suis parti de... On le savait bien qu'en réunissant les deux Seb, ça devrait être pour n'importe quoi. Non, voilà, depuis que je suis parti d'ici, c'est vrai que j'ai eu pas mal de difficultés. Donc voilà, aujourd'hui, très content d'être ici. Ouais. T'as gagné une Coupe de France quand même. Ouais, avec Sochaux. Il a marqué le millième but, je crois. Deux millième but. Avec un but en demi-finale de Coupe de France, notamment. Justement, ces périodes-là, elles ne vous ont pas trop fait douter, ces périodes difficiles, peut-être pas à Sochaux, mais à Monaco, Saint-Etienne, Guingamp, ça a dû être dur mentalement. Le plus dur, c'est mentalement, oui. Après, douter, non. J'ai toujours eu confiance en moi, même si parfois c'est très difficile. Mais non, j'ai jamais lâché. Je me suis toujours dit que ça allait tourner. Maintenant, aujourd'hui, je suis, je prends un nouveau départ et puis à moi de repartir de l'avant sans me prendre la tête avec ce qui s'est passé les années précédentes. Vous fixez un nombre précis de matchs à jouer, notamment d'ici la fin de saison? Non, je ne me suis pas mis d'objectif pour ces 4 mois qui restent. Je vais essayer de bien revenir tranquillement,
Et puis, déjà d'être performant sur le terrain. Mais je ne me suis pas mis d'objectif de but ou de faire de match. Donc on verra s'il y a des buts contre Reims. C'est reparti pour d'autres places. 0-3, 25, 72, 31, 95. Encore 4 places à gagner au standard. Les deux premiers au standard remportent chacun 2 places. Ça vous fait envie, non? Ces places pour Estac Reims. Ouais, c'est clair. Ça va être un bon match. Bon, on en reparlera tout à l'heure de ce match et de ce derby de la Champagne qui tient à cœur de Carlos. Carlos, on va se tourner vers vous déjà pour les échos de l'Estac. Et on commence par l'Estac Mag en kiosque. Ah oui, l'Estac Mag, il vient de sortir. Là, il est paru depuis lundi. On le trouve chez tous les marchands de journaux. Alors, Sébastien Grax y est à l'honneur. Justement, il explique pourquoi il est revenu et pourquoi il a choisi de revenir à l'Estac. Il y a aussi Julien Faussurier. C'est Julien Faussurier. Julien Faussurier qui est en couverture et qui, à l'intérieur du magazine, est jugé par ses pairs et ses potes, je dirais, notamment les anciens Lyonnais. Il y a aussi Emmanuel Pascal qui est l'assistant technique de Jean-Marc Furlan et on connaît un peu moins bien l'histoire. On sait qu'il est de Cronet et bien on saura pourquoi depuis Cronet on peut devenir l'assistant technique de Jean-Marc Furlan. Et puis dans la série des légendes qui me sont chères, vous savez, puisque c'est moi qui tiens la rubrique, et bien ce mois-ci c'est Michel Vatteau qui était pour moi aussi fort que Michel Platini. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été professionnel à 15 ans et demi, qu'on l'a appelé le Mozart du football. Il a fait les belles heures du taf. Et donc 3 euros, 32 pages chez tous les marchands de journaux et à la boutique de l'Estac. En couleur, en papier glacé même. Papier glacé. Allez, la belle performance des U19 en Coupe Gambardella, c'était samedi. Ouais. Une belle performance, une réelle performance, puisque Sochaux, finaliste de la Gambardella la saison passée, l'un des meilleurs centres de formation de l'Hexagone, les Sochaliens sont tombés en 32e de finale face aux U19 de l'Estac, entraînés par Emmanuel Beauchet. Donc les U19 de l'Estac sont en 16e de finale. Le tirage au sort et leur prochain adversaire, ils le connaîtront demain, jeudi, en début d'après-midi. Et ce 16e de finale aura lieu le 27 février. Après ce pénalty, cette qualification, ce pénalty Sacha Pecci. Pour une faute sur Djibril Sidibé. Voilà, un très bon Djibril Sidibé samedi après-midi sur son cousin dimanche aussi. Après-midi son sur la pelouse. Son cousin Abdoul aussi. Justement, vous arrivez dans un club là où vous connaissez plus grand monde, ça fait pas bizarre ça, au niveau de l'effectif. On a parlé de Julien Faussurier, même au niveau du staff avec Emmanuel Pascal. C'est vrai que l'équipe a pas mal changé, mais bon, j'ai retrouvé quand même 4 joueurs, plus Seb maintenant qui n'est plus au club. C'est Stéphane Drouin, c'est qui les autres? Gaël Sens, Eloge, Enza Yemissi. Puis il y a Fred Adam. Fred Adam aussi, oui. Et Stéphane Drouin, donc. Donc voilà, non, je ne suis pas trop dépaysé. Bradja dans le staff. C'est le même stade, c'est les mêmes supporters. Un point sur la billetterie du match Reims-Estac. Toujours le même speaker, on est con. Toujours. Carlos, le match Estac-Reims, un match qui tient à cœur, Je voudrais lancer un appel, ça me tient à cœur et ça tient à cœur à toute la direction de l'Estac. On a une crainte et un souci vraiment. On s'est rendu compte depuis que la location est ouverte que bizarrement, la majorité des places sont sollicitées par des Rémois et des Marnais. Il y a plus de, aujourd'hui, il y a plus de Marnais d'Aubois qui cherchent à se... Et de Rémois. Et de Rémois qui cherchent à avoir des places pour cette rencontre. Et on se demande si le stade de l'Aube ne va pas s'appeler samedi le stade de l'Aune. Hein, donc je lance un appel à tous les supporters, les vrais, les vrais supporters, pour que ce derby se fasse en bleu et pas en rouge dans les tribunes, pour que on fasse au moins 10 000 personnes. Hein. On se rend compte que Reims actuellement, qui était la plupart du temps relégable, a fait contre le Havre près de 11 000 spectateurs. Je vois pas pourquoi pour ce derby on n'aurait pas au moins. Il y avait Michel Platini quand même. Ouais, Michel Platini, Raymond Coppa, mais quand même si on fait pas 10 000 spectateurs au stade de l'eau pour le derby, et en plus il y a de l'enjeu, ils sont plus qu'à 5 points les Rémois, ils reviennent sur nos talons, ils sont conquérants, donc les Troyens, mobilisez-vous. Bon, allez, mobilisez-vous, notamment on vous offre pour vous mobiliser. Et c'est pour ça que j'ai amené des places. Allez, encore 2 places, même 4 places pour ce match Estac Reims, le numéro ne change pas, 03 25 72 31 95, c'est parti donc pour les 8e et 12e, jusqu'à la 12e place, voilà, c'est ça.
C'est ça les comptes, oui, voilà. Jusqu'à la 12e place, 2. Non, c'est pas grave, allez, on va retrouver Mathieu, merci en régie pour les SMS. Oui Damien, d'ailleurs, il y a même des gens qui mettent « Allez le Stade de Reims » sur Facebook, je ne voudrais pas dire. Hein. Mais il y a beaucoup d'encouragement pour Seb. Seb, on est très heureux, ton retour fait chaud au cœur. Personne n'a oublié ton dernier passage à Troyes et on ne l'oubliera jamais. C'est vraiment un grand plaisir de te revoir. Ça c'était Flavien. Une question d'Arnaud. Bonjour Seb, ça fait chaud au cœur de te voir de retour parmi les joueurs de l'Estac. 10 buts d'ici la fin de saison, c'est réalisable, nous dit-il. Je pense pas. Je pense pas que 10 buts soient réalisables. Si tu mets 10 buts jusqu'à la fin de saison, tu fais le tour du stade en bikini. Ah ouais. Je te le dis. Tu veux pas rendre des filles de Seb ? Ouais. En bikini. Bon, ouais. Je t'ai vu la soirée de la montée en caleçon déjà. Ouais, je le fais ça. Ouais. On a pas les images. Ah bon, on aura les images, ne vous inquiétez pas. Non, on va les chercher rapidement. Pas les montrer, ça, c'est vieux. On va chercher rapidement dans nos archives. Non, je pense pas que ce soit réalisable. Bon. Après, on sait jamais, mais... 15, 20 peut-être, mais 10, non. Ouais, allez, ouais. Mathieu, pour une autre question. Alors, une question de Christian. Bonjour Seb, je voudrais savoir pourquoi tu n'avais plus de club et aussi comment se fait-il que tu n'aies pas gardé une condition physique pour retrouver un club qui puisse te faire jouer rapidement. Merci et bonne chance pour retrouver le chemin des filets que l'Estac a besoin. Question de Christian. C'était vrai ça, la condition physique? Non, au contraire, je me suis préparé pendant 3 mois tout seul dans un camp spécialisé pour les joueurs de foot. C'est joli. C'est Ludovic Joly. Qui s'appelle Camp 8. Et le problème, c'est que quand vous n'avez pas de match dans les jambes, vous pouvez vous entraîner tout seul tant que vous voulez, vous ne retrouverez pas le rythme qu'il faut. Donc, il faut, ça repasse par des matchs. Vous ne pouvez pas reprendre le rythme sans jouer des matchs. Allez, une petite dernière salve d'observation peut-être, Mathieu. Oui, alors l'inénarrable Rémi de Bar-sur-Seine qui envoie sa salve de SMS. Il demande si Seb n'a pas un petit goût d'inachevé, un regret de ne pas avoir réussi devant le peuple vert et ce formidable public stéphanois à Saint-Etienne, bien sûr. Bon, Rémi, il est un supporter, hein, je dans précise. Le chaudron à Geoffroy Guichard, un petit regret là-dessus? Bah oui et non, parce que en même temps, je n'ai pas commencé un match titulaire à Geoffroy Guichard ou à l'extérieur. Donc je peux pas dire vraiment que j'ai eu ma chance. Après, j'ai un regret de peut-être... Non, je peux même pas dire non, j'ai pas de regret. J'ai pas de regret parce que j'ai pas eu vraiment ma chance. Donc non, je regrette pas. On l'a dit tout à l'heure, ça s'était mieux passé du j'ai côté de la frustration, mais pas de regret. Ouais. Voilà. Allez, Sébastien, donc vous avez passé 2 saisons à l'Estac de 2004 à 2006. Vous en retenez quoi de ces 2 premières saisons donc à l'Estac? Bah, c'est les 2 plus belles que j'ai vécues, quoi. Donc on a fait la montée en Ligue 1 avec Seb, et puis l'année d'après, on a réussi à se maintenir alors que ça avait été très compliqué. Même la première saison a été très compliquée parce que je crois qu'au bout de 10 matchs, on était relégable. Et puis on a eu une bonne série et puis on s'est retrouvé sur le podium et on l'a plus quitté jusqu'à la fin. Donc c'était vraiment 2 belles saisons. Le plus beau souvenir, c'est clairement la montée justement. Bah, la montée, c'était contre Sedan. Ouais, même l'année du maintien était très belle, mais c'est vrai que la montée, personne s'y attendait en fait. Donc on a montré quelques images de ce match contre Sedan. Seb les réclamait. Seb aussi, beau moment, cette montée. L'autre Seb, Sébastien Nallet. Ouais, non, mais voilà. C'était énorme. Bon, il y avait Damien Perquis aussi, mais on a pris les images de Sébastien Grax. À la honte. Ouais, on s'entraîne pour le bikini. Non, mais oui, après, heureusement, il n'y a pas d'image d'après, mais. Non, c'était excellent. C'est des moments que. Tu peux l'enlever. des moments que tout joueur, en fait, on joue au foot pour se faire plaisir et puis gagner des matchs et échanger avec le public et échanger entre joueurs. Et quand on arrive à vivre des saisons comme on les a vécues là, effectivement, c'est des moments que, après le foot, maintenant je suis bien placé pour le savoir, c'est ces moments-là en fait qu'on se souvient. C'est pas forcément toujours des résultats de certains matchs, mais c'est ce qu'on a vécu. Et il y a même eu des passes décisives de Seb. On a ressorti également quelques archives pour l'autre Seb, pour Seb Grax. Vous vous souvenez de ce but du côté de Metz? Une belle victoire également, Carlos, du côté de Metz. Vous en souvenez celle-là? Ah oui, oui, c'était le maintien. 4-2. C'est le match du maintien. Ouais, c'est le match du maintien avec une foule de supporters qui avaient fait le déplacement. C'était vraiment un maintien collectif ce jour-là. Bon, c'était un caviar là?
Ouais, très beau centre de Seb. Et puis je crois qu'on a gagné 4 à 2. 4 à 2, voilà. Justement, Carlos, comment vous expliquez la popularité de Sébastien Grax, vous ? Parce que, outre le fait que... Alors qu'il n'est resté pour l'instant que deux saisons. Non, mais outre le fait que ce garçon a beaucoup de talent, bien entendu, c'est un combatif, c'est un garçon qui mouille le maillot. Et on a parlé tout à l'heure de sa blessure, c'est parce qu'il a voulu tout de suite repartir sur le chapeau de roue. C'est quelqu'un qui ne se ménage pas. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se ménage pas et c'est le type même de joueur généreux et je le rappelle quand même talentueux qui plaît au public troyen. Voilà, c'est le style de joueur et qui entre parfaitement dans l'idée que le public du Stade de l'Aube se fait d'un footballeur professionnel. Avec peut-être à trois votre merci. Guide spirituel en termes de football. Jean-Marc Furlan, ça a été un choix indispensable pour vous pour ce retour ? Bah oui, c'est vrai que s'il n'avait pas été là, peut-être que je ne serais pas revenu. Bah, on a commencé ensemble, lui il est arrivé de Libourne et moi de Monaco où j'avais jamais joué vraiment en professionnel, j'avais fait que des bouts de match. Et puis donc c'est vrai qu'on a commencé un petit peu ensemble, donc s'il n'avait pas été là, je pense que je ne serais pas revenu. Qu'est-ce qui vous séduit dans le discours ou même dans la méthode ? Bah tout, c'est l'entraîneur qui m'a permis de me montrer au plus haut niveau. Donc c'est, même quand j'étais pas bon en quelques matchs, il m'a toujours laissé sur le terrain. Donc, alors que d'autres entraîneurs m'auraient enlevé de suite. Donc le fait de m'avoir laissé m'a permis de progresser et puis d'avoir fait ces deux saisons. En termes d'infrastructure, en termes d'encadrement, les stacks, c'est le genre de club qu'il vous faut finalement pour vous épanouir ? Bah, je me sens très très bien ici. Après, c'est vrai que si on a les moyens de pouvoir aller voir dans des clubs un peu plus grands, bah, c'est vrai que c'est toujours agréable. Mais c'est un très bon club et ça serait bien qu'on arrive à remonter en Ligue 1 dans les années qui arrivent. Un mot très rapide sur le match de Reims à venir. Justement, on va faire gagner les deux dernières places. C'est bien ça les comptes ? Les deux dernières places, 0-3, 25, 72, 31, 95. Les deux dernières places pour le derby face à Reims, samedi 15h au Stade de l'Aube. Un mot justement sur... Comment vous le voyez cette rencontre et ce derby ? Ben bien, comme a dit Carlo, j'espère qu'il y aura du monde au stade pour nous supporter. Et puis c'est un match très important pour nous parce qu'on n'est pas loin du podium mais on n'est aussi pas loin des relégables. Donc il faut faire très attention, surtout pas se croire maintenu. Et ça va être un match très important pour nous. Et si on arrive à gagner ça, tout le monde sera content ici. Seb Dallet, c'est ça, c'est un match charnière un petit peu hein. Ouais, j'en profite pour remettre un mot comme Carlos et comme Seb sur le public parce que c'est vrai que depuis la montée en national, il serait bien de revoir un bon coup le stade bien plein quand même parce que je peux vous assurer que sur le terrain, lors d'un derby, donc un match capital aujourd'hui, ce qui pourrait permettre de laisser Reims en tout cas à 8 points et nous de regrappiller quelques places devant et de continuer une série à domicile. Voir un stade bien plein, bien chaud pour un derby, c'est ce qui peut vraiment aussi permettre aux joueurs de vraiment pratiquer un football champagne. Quoi. Ça pourrait être vraiment sympa. Quoi. Très beau, le football champagne pour le derby. Tout à fait. Ouais, C'est le talent. Allez, c'est l'heure du défi. On va voir ce que vous a concocté Olivier Tingry, l'entraîneur des gardiens du club troyen. On écoute tout de suite donc Tintin, c'est parti. Salut Seb. Donc j'ai une petite question à te poser. Je voulais simplement savoir si tu savais le nombre de matchs qu'avait fait l'Estac sans prendre le moindre but. Car comme tu es un attaquant, tu dois forcément t'en préoccuper. Donc cette petite question, si tu peux m'y répondre, il n'y aura pas de défi. Par contre, si tu n'y réponds pas, notre ami Sébastien Dallet va s'en charger et te fera un petit défi. Donc il m'a dit que tu étais un très bon danseur auparavant, quand tu étais avec lui et qu'il était joueur, je crois. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va changer un petit peu la musique parce qu'elle a évolué depuis, mais il veut toujours savoir si tu es un bon danseur. Voilà. Alors Sébastien, lors de combien de matchs l'Estac n'a-t-elle pas pris de but cette saison en Ligue 2 ? Pendant combien de matchs elle a pas pris de but ? Vite, 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 la réponse ? Je vais dire 2. 2 ? Ouais. La réponse, Carlos, c'était ? C'est pas du tout. C'est Seb ? 4. 4, non, c'était 8. 8 matchs sans prendre de but, du coup, vous allez tous venir avec moi. Et on va se mouvoir un petit peu sur la piste de danse.
Merci. Allez, c'est parti. Seb, Carlos et Seb, ainsi que le public qui va nous rejoindre sur la piste de danse. Allez, c'est parti, c'est parti. Allez, on y va. Allez, allez, c'est parti. Allez, Seb, on va se rapprocher de moi. Allez, c'est parti. Je vous laisse danser, messieurs. Hein. Allez, c'est parti. On danse. Allez, c'est parti. Et allez, messieurs, dames, on y va. Comment on danse? Voilà, allez, c'est parti. On regarde Seb. Voilà, très bien. Bon, il débrouille comment, Seb? Merci en tout cas à Seb, aux deux Seb, à Carlos, au public. À très bientôt pour un nouveau numéro de Club Estac, à la semaine prochaine. Merci au public, à tous. We'll be right back.